admettez non. MJSC, Berto Dorsey, ministre de la Justice de la Sécurité publique. Donc c'est monsieur ça qui c'est vice-président CSPN. Berto Dorsey, on petit parenthèse tout petit, hier, nous apprenons la guerre, monsieur Alvon Gouron, au niveau de l'aéroport, non vol American Airlines, parce que c'est là monsieur arrivé pour la voyager pour les États-Unis, on apprenons monsieur que il a coupé visa. Oui, très bien. Donc gros malhonnête. Troisième personnage dans le CSA de la République pour ratification. Le Sénat fin ratifié li, li gon mandat de 3 ans. Et président de la République là, li pa gen pour ni révoquer mandat ça, ni pour l'ajouter, ni pour le désignant. Li pa gen capacité ça. Yo dit le carré, monsieur a kapel di job li en parlant de directeur général de la police là. C'est en cas de forfaiture ou bien de faute grave. Mais sinon, li gen 3 ans là pour li passer dans tête la police là. Donc après 3 ans, si on renouvelle le mandat, la pour retourner passer devant. Et c'est là encore, et c'est une possibilité à ratifier là encore. Mais on essaie de regarder. Entre 2019 et aujourd'hui, combien de directeurs général de police qui passaient? Et dernier directeur général de police qui passait, qui était légal, c'était Michel-Ange Gédéon. Parce que lui-même, non seulement il a eu un mandat, mais il a eu une chance de passer devant le Parlement. Mais après ça, tout directeur général qui nomme, c'est directeur général AI, c'est-à-dire à l'intérim. Et le, où c'est directeur général AI, moun ki te nomme ou là à n'importe moment pour bon plaisir li ka révoke ou. Il pa gen rien qui empêche le faire ça parce que ou pas vraiment un directeur général qui reconnu légalement puisque ou pas passé devant parlement. Donc c'est pas pour sans raison qu'il faut ouais on est tankou Normil Rameau, on est tankou Léon Charles et puis jusqu'à arriver sous France LB là t'es nommé dans condition ça et de ça me décide en va ou t'es perdu job yo dans condition qu'on y a c'est parce que moun ki te nommé ou a yo gen autorité pour ça yo capable décider révoquer yo selon caprice selon désir yo vinn plus fragile yo vinn plus fragile tout et là ça yo obligé à prudent parce qu'en pile là yo attaché à job yo guerrier yo pas veut perdre job là donc moun ki te voté yo et pardon non ki te nommé ou a ou vinn senti yo gon certaine redevance envers moun ça donc yo toujours à essayer garder est-ce que action a posé yo pas nuit moun et ki te nommé ou a. Donc ça vient faire que résultat pour directeur général ça bail là, il est obligé de dépendre de volonté moun qui était nommé directeur général là parce que son directeur général a d'intérim. Donc qui vient faire que autonomie n'a pas là pas gain vrai. Dans loi ça, loi 94 là en son article 24, il y a un organe qui créé qui relé CSPN. CSPN là son organe politique et hautement stratégique. Qui ça lié comme principale mission, c'est orienter les actions de la PNH conformément à sa politique de sécurité du gouvernement. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que tout ça, police nationale a gagné pour le faire, même avant même les planifier opération yo. Donc faut y aller définir au niveau du CSPN. Pour un peu le monde, CSPN ça, l'ivine réduit marge de manœuvre que la police a gagné, notamment sur le plan technique, parce que ou pas qu'à décider comme ou commandement comme directeur général de la police sans que CSPN dans lui-même n'ait pas approuvé son pral décidé ya. CSPN, en guise de rappel, il est constitué de 5 membres. Il y a le premier ministre. C'est lui-même qui joue le rôle président CSPN. Il a mis le nom sous lui. Premier ministre à l'heure actuelle, il est le docteur Ariel Henry, chirurgien, 74 l'année, ancien ministre affaires sociales, ancien ministre de l'Intérieur. Il y a un deuxième personnage au niveau du CSPN qui est le ministre de la Justice de la Sécurité publique, lui-même lui joue le rôle premier vice-président. Pierre Naguerrier, c'est le ministre de l'Intérieur et de la Collectivité territoriale. On a metté non, c'est deuxième vice-président CSPN. On a metté non sous lui. Il est Lise Kittel. Lise Kittel n'a pas songé en octobre 2021. Il y a une grosse accusation qui était pesée sous Dolly comme monde qui impliqué dans le kidnapping en pasteur. Pasteur Michel. Et Lise Kittel n'a pas rappelé que dans la minute n'a pas parlé là, monsieur a un visa américain en retour. Quatrième personnage qui est dans CSPN, c'est le directeur général de la police nationale d'Haïti. Li joue le secrétaire exécutif. N'a mette non. Directeur général là, li rele France LB. Cinquième et dernier personnage qui est dans CSPN là, c'est l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti. Li joue le secrétaire adjoint. Par contre, si je me trompe, c'est Fritz Saint-Fort. C'est lui-même qui est inspecteur général en chef là. On essaie de regarder. Tout ça qui a décidé pour PNH là, li doit décider en CSPN. Ça veut dire, vous faites conseil là, et puis après ça, yo dit mais qui décision qui sorti etc. Et puis pour au commandement lui-même l'appliquer. Moi même par contre si nous avons bonne mémoire Marc Jouel avec Guerrier pendant le gouvernement Ariel Henry à la moi même combien CSPN qui fait et qui dernière fois que CSPN spécial qui fait sont un dossier bien précis de la République. Moi même pas une bonne mémoire sous qu'on est Guerrier de seul on va partager avec auditoire là.
Mais on essaie de regarder la configuration CSPN. Il y a au moins trois personnages qui sont hautement politiques là-dedans. Il y a le premier ministre, on a parlé de Ariel Henry. Il y a le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, on a parlé de M. Berthaud Orsier. Et puis il y a le ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, qui c'est Lise Kittel, respectivement premier vice-président et deuxième vice-président du CSPN. Donc même le secrétaire exécutif là, qui c'est directeur général là, secrétaire adjoint qui c'est inspecteur général là, il a gagné toute velléité technique dans le cadre de décision qu'a pris au niveau du CSPN. Mais le fait que en major trois personnalités ça nous cité là en majorité, donc ça veut dire que n'importe décision qu'a pris en CSPN, s'il passe au vote, ou d'accord que c'est trois mondes à entendre eux-mêmes, ils ont orienté comment la police devrait agir. Donc ça veut dire où est d'entrée de jeu tout ça la police devrait agir pour poser comme action li entre des mains des politiques. Et nous tous connaissons qui modèle politicien nous gagne. Nous tous connaissons qui modèle dirigeant, modèle autorité que nous gagne. Ça, c'est le premier aspect dans la question politique là. Deuxième aspect dans la question politique là, et avant de passer dans le deuxième aspect là, qui te me rappelé Mounio, en mars 2021, yon, la cause qui te permet ça que te passé village de Dieu à l'immeuble te passé, c'est parce que te gon divergence au niveau du CSPN. Et n'a pas songé l'ancien premier ministre Joseph Jout, le premier ministre d'alors, président du CSPN d'alors, il était parlé sous sa autorité des erreurs tactiques et des rétentions d'informations au niveau du CSPN. Est-ce que nous te connaissons dans le CSPN qui passe, un groupe dans le palais national qui a voulu pour CSPN agir et un groupe dans la primature qui a même souhaité CSPN agir. Donc, entre deux, ça y est, ou vient nous avoir des policiers qui ont une volonté, qui effectivement ont une volonté, qui ont une bonne volonté pour avancer, mais malheureusement, depuis en l'air, action est biaisée. On regarde le deuxième aspect politique là. Le fait que bon problème au niveau de la police là, pour y avoir un grade à temps, tout le monde qui est dans la police là, qui c'est des agents, ils sont obligés à chercher un patron politique qui pourra le parler avec au commandement ou bien avec le baron et ministre de justice là pour faciliter que y ait un grade là. Puis y a aussi un agent 1 pour tomber un agent 2, etc. Alors que la police l'a dit clairement, selon le règlement, mais comment on doit prendre un grade? Donc, bon, c'est des agents, pour diable, pour jouer un grade dans l'institution, ou bien si vous jouez un grade, vous n'avez pas qu'à toucher, vous êtes obligé de faire un politique, vous êtes obligé de faire un pouvoir, qui est obligé d'affilier avec elle, qui vous fait des démarches pour vous, soit pour jouer un grade là, ou bien si vous avez un grade là, pour vous toucher pour un grade là. Ça, c'est un autre aspect. Troisième aspect, bon, c'est des hauts gradés dans la police là, qui ont même, guerrier, vous avez des aspirations pour venir DG. C'est-à-dire, c'est des gens qui, il y a une formation pour ça, il y a une compétence pour ça, et il y a longtemps que vous avez pris la direction générale de la police là. Mais quand il y a qui ça va faire, il est obligé à chercher une chapelle politique qui vous vient faire que n'importe le équipe politique ça, il prend pouvoir. Donc s'il y a bien pour choisir le directeur général, nous avons sous table là. Et des fois tout, il glisse pour figue en bas. En bas pied, exactement. Ouais. Donc si vous est par exemple, il est bien placé pour venir prendre tête la police là, donc il est obligé qu'on y a là fait équipe, fait clan. Pour être capable de piéger le directeur général qui là, parce que vous connaissez s'il tombe ou bien s'il révoque, donc il n'y a pas sous liste pour venir DG. Il y a ça aussi au niveau de la police nationale d'Haïti. Donc qui vient faire qui ça? Qui vient faire que on est qui? C'est directeur général ad intérim. Donc vous venez vulnérable et marge de manœuvre vous venez réduit parce que vous ne connaissez pas qui est au café qui pas fait. Un monde qui te nomme ou qui te participe dans le choix ou plaisir et qui a fait perdre le job là à n'importe quel moment de la durée. En mars 2022, ça d'après fait un an depuis opération Village de Dieu. Sous recommandation salle des nouvelles radio télévision Caraïbes, moi t'ai fait interview avec une quantité de policiers. Dans policiers ça, il y en a toute unité. Gien qui dans Boyd, gien qui dans Udmo, gien qui dans Brie, gien qui dans Swat et Latrier. C'est des policiers que me parle avec eux sous le couvert d'anonymat. Et puis première question me poser policiers pour me commencer interview. Nous dit policier comme ça, est-ce que nous pensons ça n'est là comme insécurité la police qu'a résoudre? Yo dit oui, la police capable. Même dit ça qui passé. Yo dit premier bagage là faut une volonté politique. Volonté politique ni dans niveau CSPN non, volonté politique ni dans niveau au commandement. Et là ça n'est pas partagé avec des témoignages. N'ego dit un, yo comme des opérations. Yo presque prend cible là et puis moun qui dans tête opération recevoir un coup de fil de un monde qui n'a au commandement qui dit comme ça que nous mettons annuler opération ou bien retourner et probablement monde ça qui n'a au commandement qui est le monde qui a géré opération bien exactement li bon côté recevoir l'autre là. Donc police a pas gain choix,
qu'on y a l'obligé qu'on y a là obéir à l'ordre là yo fait back. C'est pas pour sans raison qu'il faut voir il y a des opérations qui échouent. Et en témoin nous songer opération le tabal pour Anel dans machine de Saline. Nous voyons qui mobilisation t'est faite et nous voyons rapide vite comment machine était tourner rapide. C'est coup de fil que recevoir. Deuxième bagaille, nous avons dit un problème d'équipement et de matériel effectivement. Parce que nous avons partagé un bas avec nous, nous avons passé ça dans un reportage là. Nous avons dit ça, comment comprendre que bandit a capgouma avec vous, les bandits a goumé, bandit a gagné cartouche par doum, par boukit. Au contraire, bandit a lui-même, il y a des mouns qui potent doum cartouche, il y a des mouns qui potent boukit cartouche. C'est ça que nous avons fait seulement. Il n'y a pas de zam. Alors que un policier qui peut aller dans en opération, c'est compter à compter combien de cartouches pour bali. Ou gen 10 là, ou gen 15, ou gen 20. Et chaque grain cartouche qui tire dans zam nan, li oblige li a bay rapport pour lui dire mais comment il te fait tirer. Donc il vient faire que yo oblige qu'on y a essayer gérer tête yo tout par rapport avec opération. L'autre bagaille, yo parle de renseignement et stratégie. Moi même moi pas un spécialiste dans question sécurité, mais moi tande moun k'ap parler. Yo dit comme ça que renseignement qui c'est information et stratégie dans la question sécurité est fondamental. Nèg yo témoigner guerrier. Nèg yo confirme que dans sens ça bandi yo plus bien organisé que la police nationale d'Haïti. C'est pas blague non, Ralph Sénégal t'a fait. L'elle t'a dit comme ça que Jean-Louis Timothy organisé yo. Est-ce que tu connais guerrier du seul? Si une quoi police ça on te parle avec yo. Bandi yo gagnent des moun au niveau d'une série de stations en dans pays, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. L'aime parler de station, parler de station machine, parler de station moto. C'est ça moun yo relé antenne nan. Ça veut dire même le bandit a pas sorti côté lié mais il y a moun k'ap travail avec lui. Il doit chauffer moto, il doit moun k'ap charger machine, il doit chauffer camionnette tout. C'est moun ça qui là pour bal des informations matérielles en fonction de ça le besoin. Si c'est guerrier le besoin font bagaille, si c'est guerrier le besoin kidnapper, il y a possibilité pour mettre antenne sur guerrier. Comme ça tout, si c'est la police le besoin qui contrôle la police pour aller font bagaille, il y a des moun qui dans la rue a que le payer pour ça qui pour travailler avec elle. Donc ça veut dire sur le plan renseignement ouais, la bandit bail beaucoup plus d'importance à renseignement que autorité. Et pourtant, il y a des gros l'argent qui est disponible pour question renseignement dans le pays. Au niveau de la primature, il y a l'argent qui est disponible. Au niveau du palais national, il y a l'argent qui est disponible. Au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a l'argent qui est disponible. Au niveau de la police, il y a l'argent qui est disponible. Maintenant, qui ça l'argent ça a offert? Moi-même, moi, pas qu'on est. L'autre bagaille, nous dit, qui est important. Nous dit, monsieur, est-ce que c'est vrai, il y a des policiers, pardon, qui sont dans l'institution police là, qui sont dans la gang? Nagyo dit, m'a parlé là avec des policiers. Des policiers qui en fonction. Je vais vous citer parce que vous êtes toujours dans l'institution de police. Vous dites effectivement, il y a des gens qui dans la police qui ont des rapports avec la gang. Vous dites comme ça que, il y a des policiers qui dans des groupes armés, il y a des policiers qui ont des rapports avec eux, qui collaborent avec eux, mais il y a des policiers qui travaillent avec eux. Et trois niveaux. Vous avez dans la gang, vous avez pas dans la gang, vous collaborez avec eux. Ou bien tout, ou bien doit dans zone côté gang nan yé, pour gérer ou yon, même le pas collaborer avec ou comme policier, mon ferme jour sur ensemble de bagay parce que famou est dans zone nan, petit ou est dans zone nan, et la trier. Donc c'est ça que fait, tout moun kwe qui gen nécessité pour faire vetting dans la police. Mais vetting ça yon, pour faire, c'est pas seulement dans l'agent yon. Parce que gen moun qui nan au commandement tout, qui nan relation avec groupe armé. Récemment, gen yon ferme Zonev qui font déclaration là, en pile moun saisi. Il dit que il y a 40 à 60% policiers qui dans groupe armé qui ont rapport avec gang pardon ou bien tout qui a travaillé avec gang ou bien tout qui ont certaines relations avec gang. Moi saisi, même pas saisi, pourquoi ça me pas saisi? Parce que je m'étais bien comprendre des marches là. En institution policière, il y a 16 000 monde. Lui même il fait travail là sur 1000 monde. Il est capable de jouer 40 à 60%. Quand il y a là, s'il fait sous 3 000, sous 4 000, il doit 20%. Oui. S'il fait sous 5 000, 10 000, ça va arriver à 10%. Il a réduit. Mais peut-être c'est précision qui manque. C'est voilà. Mais poté dans le moment où tu as fait. Exactement. Faut que nous comprenions. 40 à 60%, ça, ce n'est pas sur l'ensemble des policiers qui constituent l'institution. Mais c'est plutôt sur l'échantillon lui-même qui prend. Par exemple, si c'est 1 000 policiers lui-même qui choisit de travailler sur eux, il a joué 40 à 60%. Mais pas étonnant, si là, il prend 5 000, donc mal ça, il réduit tout carrément. OK? Donc, il y a des gens qui te posent problème de conditions de travail. Question salaire, policiers qui ont mal dormi dans le commissariat, policiers qui pas mangé bien, ou état au soupement, etc. Moi-même, je te dis, ça pas justifié pour autant que un policier doit aller dans le gang. Parce que moi, je connais des policiers qui respectent tête dans l'institution. Il y a des policiers, que ce soit agent 1 ou bien agent 2 et autres, qui respectent tête, mais il y a des gens qui ont au commandement tout, qui consacrent la vie à institution ça qui réussit
faire un nom au nom de la morale, au nom de l'éthique en dans institution ça. Mais il y a des monde tout c'est vagabond en dans institution. Il y a des monde tout qui prend institution pour couverture légale pour faire zap malhonnête et il y a des nèg tout quand dans institution la police là qui en dans qui utiliser ça comme grade et fonction pour faire l'argent pour enrichir tête de manière sale en dans institution. Par exemple, moins gagner des informations, il y a des policiers pendant ce temps il a payé entre 25 à 30 000 gouttes le mois, mais il y a des policiers chaque samedi par exemple, c'est plusieurs centaines de dollars américains oui, que on groupe armé bali parce que il était collaborer avec nous au niveau Benoît l'autre. Il y a des policiers qui allaient jusqu'à des milliers de dollars américains. Oui. Peut-être que ça m'a dit matin en pile monde qui a estimé que non contexte comme ça capable fragiliser institution police là. Mais attention. Moi pensais que jodi à côté ni là, pas gain bien caché l'ombrite encore. Nous avons une institution police, nous croyons que le cas bail résultat. Mais pour le bail résultat, nous avons un ensemble de problèmes, faut nous résoudre. Parce que force là qui vient là, me dit ça hier, nous dit ça plusieurs fois ici. L'elvini, il pas aider nous résoudre problèmes structurels, il pas aider nous agir sur urgence. Mais si on allait tout, demain si Dieu veut, faut que nous agissions en façon pour nous résoudre problème une fois pour toutes. Parce que nous-mêmes, nous devons faire des apports symptomatiques de situation. Par exemple, nous avons une maladie là, au lieu de chercher qu'on est qui sa maladie est pour nous guérir maladie là, nous agissons sur les symptômes de l'état. Par exemple, si le baron tire, nous achetons un comprimé pour rhume. Si le baron tire tête fait mal, nous achetons un comprimé pour tête fait mal. Faut quitter ça. Faut d'accord que ça aussi symptômes. C'est des signes qui disent que ça n'est pas bon pour aller dans la source, pour aller résoudre. Donc, pour finir guerrier, donc oui, la police a un bon résultat. Et ça fait dans le monde qui toujours dit que faut gagner une aide technique à l'institution policière. Mais, il y a des gens qui croient que pour la police, ça a un résultat. Question politique, il faut que gérer ça dans la police. Là. Question équipement, question matériel, question renseignement et question vêtement pour écarter mauvais grenio. Et moi-même, moi d'avis que gagner en unité anti-gang, et pas ça n'est là, en vraie unité anti-gang dans la police. Ça, c'est-à-dire, ou prend des policiers professionnels, des policiers qui respectent les têtes, ou à garde passé, qui dans différentes unités, ça, ou capable de prendre et pour créer une unité vraiment spécialisée, ou bah ou des formations adéquates, ou bah ou des technologies qui allaient avec ça, ou rien comme mission, hein? Et puis tout policier, ça, et pas pour mettre souffert ou non, ou mettez gros l'argent disponible pour eux. Ou mettre l'argent disponible, valer l'argent à gab gaspiller là. Mettre l'argent disponible pour famille yo, mettre l'argent disponible pour petit yo, pour madame yo, pour si jamais on va qui rive yo. Et puis ba au moyen nécessaire et puis faire yo gien jouit d'une certaine autonomie pour pas sous coupe régler nèg politique yo. Que le ministre de justice ou bien premier ministre et après ça mettez nèg yo dans la rue pour essayer de pas ba résultat guerrier du chef. Et puis nous apprendre tout gagner de policiers là, de ressources humaines en dedans la police là. Qui a pris formation à l'étranger, mais les revenus, ils mettent au sous-côté. Ils n'ont pas utilisé. Ils n'ont pas besoin de compétences. Ils n'ont pas utilisé compétences. Et moi-même, j'ai gagné plusieurs que je connais, mais qui ne parlent que de parler de ça. Donc, nous seulement relater ça, donc gagner des ressources humaines, des policiers qui ont pris formation là, qui n'ont pas utilisé l'institution, mais pour une raison, ou bien pour l'autre, ils mettent au sous-côté.